Et donc voici la version 3 de notre petit bateau radiocommandé. Alors il s'agit de la version 3 parce que la version 2 on n'avait pas mis de stabilisateur et il a cabané dans les 15 secondes. Donc cette version là on l'a un petit peu surbaissé. Et alors regarde comment il est fier notre petit bateau. C'était l'inverse. Pour en faire entrer, c'est pour ça que je m'en vais sans la moindre. Donc le petit bateau is going far, far away in the middle of the sea. With the big animals. On peut carrément lui mettre les gaz à fond en fait. Parce que j'ai le caillou à l'arrière. Papa, arrête là, tu vas t'échouer parce que là, l'endroit où j'étais allé tout à l'heure, eh bien, j'avais la quille qui touchait. Un meilleur rien, c'est tout sympa. Ouais, ça. Sans caméra ni rien dedans, on voit dedans et tout. Il va vite, hein. Et le maximum de vitesse. Donc la version 1, elle naviguait, elle était au ras de l'eau, donc on a fait des coques plus hautes. Pour la peine, la version 2, qui n'avait pas ces stabilisateurs-là, et qui était plus haute ici, là, à cabané. Et on a tout rincé, à l'eau douce, puis avec de l'alcool, et on a réussi à perdre que le SC. On a quand même perdu le SC. Là, on a fait une boîte étanche. J'ai percé, puis j'ai tout refermé à la colle chaude, j'ai même refait le petit bord, là. Donc a priori c'est étanche. Bien sûr maintenant le risque c'est que ça chauffe, le SC chauffe au bout d'un certain temps. Il faudrait que je le colle sur une plaque en aluminium pour faire radiateur. Et donc avec les stabilisateurs de cette V3, on a vu qu'il arrive à aller assez vite. D'après on fera un truc qui plane. A plus.